Je suis toujours très, très heureux lorsque l'on rend un hommage à mon grand-père, Marcel. Et aujourd'hui, sans doute encore un peu plus, et un peu plus ému parce qu'il s'agit de commémorer sa disparition. Eh bien, ce n'est pas vraiment si triste que cela, parce que cela prouve une chose, c'est que l'œuvre de Marcel est encore bien vivante. 1, 2, 3. Bravo. Philippe. Il est important pour moi qu'on se souvienne aussi de ma grand-mère, Jacqueline Pagnol, Manon des Sources, parce qu'elle a eu un rôle primordial dans la vie de mon grand-père à une époque où il n'allait pas bien du tout. Ils avaient perdu tous les deux leurs filles, Estelle à l'âge de 3 ans. Marcel ne connaissait plus le succès au théâtre. Et c'est grâce à l'amour de sa femme, de Jacqueline, qui était une femme forte, une femme rebelle, eh bien qu'il a pu lui-même se réinventer. Je peux juste essayer de la transmettre un peu plus au travers de projets comme par exemple la création d'un musée à Allo qui devrait ouvrir en 2026, un film d'animation sur la vie de Marcel Pagnol réalisé par Sylvain Chaumet qui s'appellera Marcel et Monsieur Pagnol. Voilà, ce sont ce genre d'initiatives qui gardent non pas son œuvre vivante, mais en tout cas son souvenir très présent. Si j'avais un mot à dire à mon grand-père, je dirais merci pour nous tous.